Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir ici sur le stand Gerbet pour la première édition 100% virtuelle des journées francophones de radiologie. Je m'appelle Clément Cabanne et je suis le président de Gerbet France. Ainsi, nous tenions absolument à vous retrouver lors des JFR, événements majeurs de la radiologie. Pendant ces 4 jours, nous présenterons nos offres interconnectées pour l'IRM et le scanner, nos solutions en intelligence augmentée et bien sûr l'imagerie interventionnelle. Sur le village de la radiologie interventionnelle, vous retrouverez la démonstration du professeur Hicham Kobeter du CHU de Mont-d'Or sur l'utilisation de Secure, qui est notre microcathéter de contrôle de reflux. Enfin, pour en savoir plus sur les projets de Gerbet en intelligence augmentée, je vous invite à retrouver François Nicolas, qui est notre Chief Digital Officer chez Gerbet, lors d'une interview disponible dans votre sac de congrès virtuel, et lors de la table ronde sur l'IA en imagerie neurologique qui aura lieu le dimanche 4 octobre à 10h45. Nous regrettons bien évidemment de ne pas vous retrouver cette année sur notre stand de porte-maillot, mais nous sommes toujours là pour vous accompagner et répondre à vos questions. Avant de conclure, je souhaiterais au nom de Gerbet France vous rendre un vibrant hommage à vous toutes et tous, médecins, radiologues, libéraux et hospitaliers, manipulateurs de radiologie, assistantes médicales, mais aussi tous les internes en DES de radiodiagnostic et d'imagerie médicale, qui avaient tant donné de vous-même, sans compter, lors de la période de pandémie de ce printemps, qui avaient montré ô combien l'imagerie médicale et la radiologie sont essentielles dans un système de santé digne de ce nom. Et vous tous, qui vous apprêtez à être de nouveau en première ligne si l'épidémie devait de nouveau prendre des proportions aiguës, je vous en remercie en tant que citoyen et vous affirme en ma qualité de dirigeant d'entreprise dans le monde de la santé que nous resterons à vos côtés comme nous l'avons toujours fait. Bonne JFR 2020.